Guide complet des défis Fana d'adrénaline de Fortnite. Manger plusieurs slappels en une seule partie. Donc les slappels, c'est ceci. Vous allez pouvoir les trouver dans des buissons. Donc attendez 2 secondes. Ok, donc vous allez pouvoir les trouver dans des buissons. Et pour vous aider à les trouver, je vais vous afficher une map avec tous les emplacements des slappels de Fortnite. Vous pouvez aussi les trouver dans des boîtes de fruits et de légumes. Donc voilà, ce que vous allez devoir faire en fait, c'est en consommer 5 en une seule partie. Donc bien souvent, les buissons vous en donnent 3-4. Donc voilà, celui-là m'en a donné 4 aussi. Donc par buisson, vous pouvez en obtenir 4. Donc vous allez devoir trouver 2 buissons. Et ensuite, vous allez devoir consommer 5 slappels en une seule partie pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Restez 3 secondes en l'air avec un véhicule terrestre. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une moto et de créer une grande rampe comme je suis en train de le faire. Et ensuite, vous sautez tout au bout de la rampe. Et là, normalement, vous allez rester plus de 3 secondes en l'air. Et là, vous allez réussir le défi et débloquer les récompenses. Faire une émote pendant 5 secondes pendant ou après la conquête d'un point de capture. Alors les points de capture, c'est dans toutes les villes, par exemple à Sleepy Shore, Brutal Bastion, Anvil Square, dans toutes les villes vous avez un point de capture. Donc le point de capture, c'est tout simplement le drapeau qui se trouve en plein milieu de la ville. Donc ce que vous allez devoir faire en fait, c'est prendre le contrôle du point de capture, donc conquérir le lieu dit, et ensuite faire une émote de 5 secondes avant ou après la fin de la capture. Donc là, vous attendez bien que le drapeau aille jusqu'au-dessus du piquet. Et quand le drapeau est tout au-dessus, là vous faites une émote pendant 5 secondes. Donc faites quand même une émote animée et laissez-la continuer pendant 5 secondes. Dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Gagnez 500 000 points de figure avec la moto tout-terrain en une seule partie. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des motos tout-terrain de Fortnite. Donc pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de prendre la moto, ensuite de maintenir X et de faire un backflip comme ceci. Là, regardez, j'ai gagné 33 000 points. Vous faites ça 10 fois, vous serez à 300 000 points. Alors ce que je vous conseille aussi, c'est de le faire en foire d'empoigne, comme ça si jamais vous mourrez, vous pouvez réessayer. Mais en vrai, c'est pas très compliqué. Après, si vous êtes chaud, vous pouvez essayer de faire le glitch que je vais vous présenter. Après, il est assez compliqué à faire parce qu'en fait, il faut réussir à monter, à faire tenir en équilibre la moto sur un obstacle. Donc par exemple là sur la barrière, je vais essayer de le faire maintenir en équilibre. Ok, donc là regardez, j'ai réussi à faire tenir la moto en équilibre sur la barrière et maintenant j'ai plus qu'à appuyer sur rond, maintenir rond, et regardez mon score, je suis déjà à 200 000 en quelques secondes. Donc si vous arrivez à faire ce glitch qui est quand même assez complexe, là vous allez faire un score de malade. Et pour valider le score, il suffit juste de casser la barrière, regardez, hop. Voilà, et je vais vous retomber sur les roues, et là vous validez votre score. Dès que vous aurez fait 500 000 points avec la moto en une seule partie, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Détruire des objets. Alors pour réaliser ce défi, c'est très simple, vous avez juste à détruire tout ce que vous voyez sur votre route. Donc que ce soit des caisses, des murs, tout, absolument tout, c'est des objets. Donc tout ce que vous allez détruire, ça va compter comme objet. Et là, pour terminer le défi, il va falloir en détruire 100 au total. Dès que vous aurez détruit 100 objets, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Infliger des dégâts à des adversaires avec des fusils d'assaut. Donc quand vous avez un fusil d'assaut, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger un total de 2000 dégâts pour terminer l'entièreté des défis. Donc vous cherchez des adversaires et vous infligez des dégâts. Ou alors ça fonctionne aussi contre les impardonnables. Donc si vous trouvez un bot impardonnable, n'hésitez pas à lui infliger des dégâts. Logiquement, ça validera le défi aussi. Et dès que vous aurez infligé 2000 de dégâts, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCL.